s'est passé. On a besoin de... Bonjour à tous. C'est pour nous un privilège d'accueillir aujourd'hui Eric Vuillard dans le cadre du Hay Festival dans l'église désaffectée du campus de la University de Ségovie. Eric Vuillard est un écrivain que j'ai entendu lui-même dire écrivain d'histoire plutôt que... Mais je pense vraiment qu'il est un écrivain après avoir lu quelques de ses livres. A remporté le prix Goncourt en 2017, pour son ouvrage « L'or du jour » et a récemment publié un autre récit intitulé « La guerre des pauvres » qui a également connu un grand succès. Parmi ses autres publications, « Conquistador », « 14 juillet » notamment. Alors, je voudrais vous demander, Eric Vuillard, Monsieur Vuillard, sur l'instinct que vous pousse à choisir des thèmes historiques, apparemment sans lien, comme leitmotiv de vos publications. Bueno, buenos días a todos. Quiero agradecer todo el equipo del Hay Festival por esta invitación. L'équipe du Hay Festival pour ces invitations, les éditeurs Tusquet, Juan Cerezo également, et je voudrais remercier toute l'équipe de la maison d'édition pour son travail et pour son amitié. Je voudrais également remercier mon traducteur et également Diego qui va nous poser les questions. Mon traducteur Javier Albignana. Et maintenant, je parlerai en français. Au fond, j'ai le sentiment que mes livres, au fond, racontent deux courants de l'histoire moderne, c'est-à-dire de l'histoire de ce qui se déroule depuis à peu près 500 ans, depuis la Renaissance. Ces deux courants, c'est d'abord un courant, au fond, qui raconte la concentration des pouvoirs qui est allée croissante, et notamment du pouvoir économique, dont on peut dire que l'ordre du jour est une illustration, et puis un autre courant, au contraire, qui est un courant émancipateur, et qui commence d'une certaine façon avec la réforme protestante et avec la naissance du livre, c'est-à-dire ce nouage, au fond, singulier entre une découverte technique, celle de l'imprimerie, mais qui, au tout départ, est comme sans objet, puisque quand Gutenberg invente l'imprimerie, il va imprimer des bibles en latin, et on dirait aujourd'hui que c'est un segment de marché un petit peu étroit, si bien qu'il fait faillite. Et donc, l'imprimerie ne va finalement trouver sa vocation que lorsque le protestantisme naissant va faire imprimer en langue vulgaire, c'est-à-dire en allemand, les thèses de Luther et puis donc les débats théologiques très vifs de cette époque. Si bien que l'objet livre est, au fond, jusqu'à nos jours, je crois, l'outil d'émancipation le plus important que nous ayons connu. Donc voilà, il y a un autre courant de mes livres dans lequel 14 juillet s'inscrit, par exemple, qui raconte cette histoire au long cours de l'émancipation des hommes. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a un fil conducteur, une thèse morale entre les différents ouvrages que vous avez publiés ? Je ne sais pas s'il y a une thèse morale. En tout cas, les livres, moi, me servent à comprendre. Je ne choisis pas, je ne décrète pas d'écrire un jour sur l'entre-deux-guerres, un autre sur le 14 juillet. Au fond, ce sont des. Il y a une part tout à fait contingente d'abord dans le choix d'un thème, d'un livre, d'un personnage, d'une collectivité ou d'un événement. Et ensuite, c'est véritablement lorsque j'ai le sentiment d'abord d'avoir saisi quelque chose au travers de quelques documents qui ensemble forment un amalgame, la possibilité, disons, d'une connaissance, une promesse en tout cas de connaissance, qui ne peut se développer qu'en écrivant. C'est-à-dire, je crois fondamentalement qu'il n'y a de raison d'écrire que lorsqu'on pense que la littérature est un moyen de connaissance,
que le fait de s'abandonner au mot nous permet de comprendre des choses que nous ne comprendrions pas si on se contentait simplement d'y réfléchir et de prendre quelques notes. D'ailleurs, il me semble au fond qu'on en a tous fait une expérience, même vague, à l'école. Vous savez, lorsque, par exemple, on arrivait en ayant mal appris ses leçons, on n'avait pas appris par cœur ce qu'on nous avait demandé de connaître, et puis tout à coup, on nous fait faire une dissertation, vous savez, sur un thème. Et alors, comme on ne dispose pas des connaissances requises, qu'est-ce qu'on fait? On se met à broder, à essayer d'inventer quelque chose. Et au fond, à ce moment-là, on s'abandonne aux mots. Et c'est en général ce que les professeurs, dans la note, les petites notations, les appréciations qu'ils portent, appellent vous faites de la littérature, vous voyez, mais d'une manière un peu péjorative. Et au fond, je crois que tout élève qui s'est retrouvé comme ça, sans l'assise du savoir, et qui a par lui-même, à un moment, essayé justement de broder, et comme on l'a tous fait, plus ou moins maladroitement, au fond, de trouver dans le langage des ressources inespérées, a fait un petit peu l'expérience du fait que malgré tout, le langage, effectivement, dispose de ressources, et que c'est un moyen réellement de connaître. Donc, pour en donner un exemple, pour l'un de mes livres, L'ordre du jour, ça a commencé en partie avec la lecture d'un certain nombre de documents, et notamment je relisais les mémoires de Winston Churchill. Et au fond, je les avais déjà lus il y a 20 ans auparavant, et on me les avait offerts à Noël. La personne ignorait que je les avais lus dans une nouvelle édition, donc je commençais à les feuilleter, et puis je me suis pris au jeu, puisque ce sont des mémoires tout à fait passionnantes. Et j'ai fait une expérience assez curieuse, c'est qu'au fond, si je les avais fréquentés comme un universitaire spécialiste de Churchill pendant des années, je ne me serais sans doute pas aperçu de quelque chose qui m'a alors sauté aux yeux. C'est que comme il y avait 20 ans d'écart, la première fois que j'avais lu ces mémoires, j'ignorais beaucoup de choses sur la Deuxième Guerre mondiale. Si bien que mon attention focalisait sur les événements essentiels, le plan Barbarossa, le rôle de Churchill au départ, vous voyez, ce genre de choses. Mais lorsque 20 ans plus tard, je relis ces mémoires, au contraire, finalement, je connaissais davantage ces événements que les mémoires ne pouvaient m'en apprendre sur eux. Si bien que je prêtais beaucoup moins attention aux événements principaux, mais plutôt à des chapitres, à des scènes qui étaient passées totalement inaperçues à la première lecture, et sur lesquelles mon attention s'est alors focalisée. Et notamment, par exemple, cette scène où Churchill nous raconte qu'au moment de l'Anschluss, à midi, il se retrouve à Downing Street, où Chamberlain invite von Ribbentrop à un déjeuner, et où Ribbentrop bavarde, etc., retient l'attention, occupe tout le monde, tandis qu'à un moment, Chamberlain, le Premier ministre, reçoit une petite note du Foreign Office, la lit, se rembrunit un petit peu, et puis finalement l'arrange, rien ne se passe, le repas continue, et donc dure même, puisque Ribbentrop, là encore, fait durer la conversation, bavarde, jusqu'au moment où les Ribbentrop sont quasiment les derniers, au fond, à quitter Downing Street, et où Churchill nous dit que le petit mot du Foreign Office apprenait à Chamberlain que les Allemands envahissaient l'Autriche. Et cette scène m'a paru tout à fait étonnante, puisqu'au fond, et c'est en l'écrivant, d'abord c'est une scène qui donne envie d'écrire, puisqu'il y a là une potentialité comique et dramatique, au fond, dans une scène a priori insignifiante, un simple déjeuner. Et c'est en l'écrivant que je me suis rendu compte que l'essentiel de cette scène, au fond, était ce qui n'était pas là, ce qui n'était pas dit, c'est-à-dire cette Autriche en train d'être envahie. Tout le reste était, au fond, une sorte de couverture, d'imposture de Ribbentrop, et que ça nous disait quelque chose, que l'inaction de Chamberlain, le fait qu'il soit resté à table, etc., nous disait quelque chose, au fond, de très curieux, c'est que les manières, la politesse de Chamberlain, la politesse excessive de son milieu, n'était pas sans rapport avec la politique d'apaisement qui était menée, et qu'au fond, il y avait une sorte de rapport homogène entre, disons, un comportement de classe d'une certaine élite à un moment donné et un aveuglement politique. Et qu'on pourrait dire que la politique d'apaisement, eh bien, c'est une politesse excessive à l'égard des nazis. Donc voilà un peu comment les livres peuvent venir. Alors, seulement, c'est une blague, mais von Ribbentrop, une fois, a dit « c'est tous ces gens qui sont habillés en brun français ». Alors, il était en quelque sorte, après, il a appuyé beaucoup les nazis, bon, il était par... mais aussi, il avait un élitisme
dans son envers les il se trouvait d'une différente classe sociale que la plupart des nazis. Alors, dans la guerre des pauvres, il semble exister une thèse que les peuples opprimés, soit dans l'Angleterre du XIIIe siècle, soit dans l'Allemagne de la Réforme au XVIe siècle, considèrent le soulèvement comme une méthode pour se libérer de l'oppression. Vous présentez plusieurs exemples, parmi lesquels celle du prédicateur ou pour le prêtre Thomas Münzer au milieu de la réforme protestante en Allemagne. Mais je voudrais vous opposer Voltaire dans ses contes philosophiques qu'il dit, je vais dire littéralement, toute révolte populaire, schisme religieux, hérésie, création de royaume, choix d'un prince, théorie religieuse actualisant une confession cache derrière elle l'intérêt personnel d'un évêque, d'un prince, d'un noble, d'un prédicateur en français ou d'une personne intéressée par une manière de faire ou de penser. Alors, ceci nous amènerait à penser que le processus dialectique, ce n'est pas entre l'oppression et la nécessité, ce que se traduit dans un soulèvement, mais qu'il est issu de la lutte entre les intérêts des personnes dominantes qui utilisent les peuples seulement comme combustible facile. En ce cas, les peuples joueraient bien peu de rôle dans l'histoire, mais... Bon, la dernière partie, ce n'était pas Voltaire, c'était moi. Non, alors, pour ce qui concerne Voltaire, bon, on m'avait cité il n'y a pas longtemps, dans une... Enfin, il y a plutôt que tout de même une année ou deux, dans une rencontre, une citation de Deleuze qui disait, qui était une citation anti-voltairienne, qui distinguait l'humour et l'ironie en disant que Voltaire était du côté de l'ironie, alors que Beckett serait du côté de l'humour, et qu'au fond, l'ironie était toujours du côté du pouvoir, du côté du manche. Mais je ne souscris pas à cette vision de Voltaire. C'est plus compliqué. L'ironie de Voltaire, je crois au contraire, est effectivement une ironie qui nous a dégagés de la religion. Je crois qu'elle a eu des vertus de connaissance, elle aussi. C'est-à-dire que si la littérature est un outil de connaissance, est une manière de comprendre, l'ironie, la tonalité même d'un texte, ça peut être évidemment d'autres types de tonalités, mais l'ironie en l'occurrence avec Voltaire, puisque c'était sa tonalité essentielle, nous a... en quelque sorte rincé, débarrassé d'un certain nombre de préjugés, et son rire sarcastique, je crois, a été de ce point de vue-là absolument salutaire pour la connaissance. En revanche, pour ce qui relève de l'intérêt personnel, on peut dire qu'effectivement, avec ironie, justement, Voltaire était un spécialiste, puisqu'il a passé sa vie à spéculer tout de même et à terminer extrêmement riche. Bon, donc, sur l'intérêt personnel, effectivement, il s'y connaît. Mais, alors, pour plus sérieusement... répondre à votre thèse, donc, qui voudrait que ce ne soit pas l'oppression et la nécessité, au fond, qui serait le moteur des choses, mais qu'au fond, les peuples seraient instrumentalisés, disons, par les puissants. Dans le cadre de la guerre des pauvres, justement, enfin, où je raconte l'histoire de Thomas Münzer, on a là un cas qui me semble, en tout cas, pas du tout relevé de ce principe. Puisque, finalement, les intérêts de Münzer sont tout de même assez réduits dans cette opération. Münzer est d'ailleurs, dès le départ, pour se réformer. Münzer est un théologien qui vient d'une famille pauvre, qui, grâce, disons, au savoir, a réussi à occuper, enfin, à devenir prêtre, donc à avoir, disons, à occuper un rang dans la société tout à fait enviable à l'époque, et pour des raisons qui sont des raisons... lié à un certain rapport à la vérité, c'est-à-dire au fait qu'il ait plutôt indexé sa vie à la vérité qu'à l'autorité, eh bien, il a tout d'abord, il s'est rangé du côté de Luther, donc très tôt, et en gros, disons, si, pour
sur deux points principaux, au fond. Le premier, lié évidemment à la querelle des indulgences, qui est le fait que l'âme ou le salut ne se négocie pas, qu'on ne peut pas vendre la promesse d'aller au paradis, disons, un petit peu plus vite, ou de rester un petit peu moins au purgatoire que prévu. Et puis aussi avec cette idée que, précisément, ce que révèlent les indulgences, c'est un hiatus extrêmement grand entre les élites catholiques de l'époque et le peuple, au fond. C'est-à-dire que, pour des raisons tout à fait financières, puisqu'il s'agit de financer l'érection de la basilique Saint-Pierre de Rome, hein, qui est un très beau bâtiment, mais qui a coûté fort cher, le pape a donc émis beaucoup d'indulgences. Par ailleurs, dans la querelle des indulgences, sont impliqués des banquiers de premier plan, comme la banque Fugger, qui existe toujours à Augsbourg, et qui, elle aussi, participe à ce trafic. Et donc, ce que montre ce trafic, et qui va profondément choquer Luther et Münzer, c'est la différence entre les principes énoncés et les actions et les paroles, au fond. Et le second point, c'est que du coup, pour conjurer finalement ce hiatus entre la doctrine officielle et puis les actions de l'Église, ce que propose Luther et ce qu'il va finir par faire, et ce à quoi souscrit Münzer, c'est qu'il faut traduire les textes sacrés en langue vulgaire, c'est qu'il faut même communiquer, non plus en latin, mais en langue vulgaire, donc pour eux, en allemand. Et au fond, on peut dire qu'aujourd'hui, tout le monde a accepté ces principes, qui sont des principes tout à fait élémentaires, puisqu'ici même, les catholiques les plus fervents lisent, je pense, la Bible en espagnol et ne trafiquent plus d'indulgence. Vous voyez, trouveraient même sans doute tout à fait choquant d'apercevoir dans la rue des prêtres en train de vendre, de monnayer le salut. On monnaye déjà assez de choses comme ça, me semble-t-il. Mais ce qu'il y a d'abord de très intéressant dans ce moment-là, où Münzer, je crois, indexe sa vie à la vérité, au fond, c'est-à-dire, d'ailleurs, vérité, comme je viens de le dire, qui a eu des conséquences dans le temps, puisqu'au fond, maintenant, l'Église même, au fond, s'est en quelque sorte soumise à ce point de vue initial des protestants. Mais ce que ça a de beaucoup plus important, c'est qu'au fond, ça forme ce qu'on peut appeler le sujet moderne. C'est que le sujet moderne, c'est quoi? C'est un sujet qui, précisément, plutôt que d'être soumis à l'autorité, essaie d'établir un rapport critique, au fond, aux textes, aux énoncés, de débattre, etc. C'est même le fondement de ce qu'on appelle la démocratie, d'une certaine manière. On peut donc dire que ce mouvement, qui a été le protestantisme initial, au fond, ouvre une séquence plus large que le protestantisme, qui est une séquence de démocratisation de la vie sociale, qui se traduit notamment par l'alphabétisation des masses, qui est le corollaire, en fait, immédiat du fait que les livres soient disponibles en langue vulgaire et qu'il faille les lire pour se faire sa propre opinion. Et puis, sur Münzer lui-même, sur la seconde étape de sa trajectoire, alors, je reste tout de même un instant encore sur cette première étape, c'est qu'elle nous concerne directement ici, aujourd'hui, au Hay Festival, puisque, au fond, on peut dire que cette rencontre entre l'imprimerie et le protestantisme accouche de cet objet qu'on appelle le livre. Donc ce moment lie jusqu'à présent le livre à l'histoire de l'émancipation humaine et donc à l'histoire de la démocratie, à l'histoire de l'égalité et à l'histoire de la liberté. Mais pour le second moment de la vie de Thomas Münzer, Münzer va rompre avec Luther. Ils rompent avec Luther au moment où, précisément, une partie des classes populaires, mais pas seulement les classes populaires, un groupe assez hétérogène, au fond, de gens se révoltent, des paysans, des mineurs, mais aussi des commerçants, des artisans des villes, des étudiants théologiens, qui pensent, ce qui n'est pas faux, que Luther, pour des raisons stratégiques, au fond, mais pas seulement, peut-être, pour des raisons plus profondes, s'est rallié au prince. C'est-à-dire que, contre la papauté, il a trouvé des points d'appui, et que, de fait, c'est comme si Luther avait arrêté le protestantisme, la marche du protestantisme, avait modéré sa doctrine, l'avait mitigé, dirait-on aujourd'hui, dans les milieux financiers. Et donc, à ce moment-là, Münzer et d'autres théologiens, beaucoup, rompent avec Luther. Et dans ce moment, je ne vois pas tellement comment, au fond, Münzer défendrait ses intérêts propres. Au contraire, sa vie devient beaucoup plus précaire, il passe d'une ville à l'autre, sa vie devient d'abord menacée, au fond, puisque Luther, à ce moment-là, jouit de l'appui des plus puissants. Et je crois qu'au contraire, c'est une profonde conviction qui le tient, et notamment ce point, moi, que je trouve tout à fait admirable, au fond, et émouvant à sa manière, quel que soit ce qu'on pense après des idées de Münzer, c'est qu'au fond, quel courage plus grand que de risquer sa vie
pour les autres, au fond. Et là, en l'occurrence, pour Münzer, pour une collectivité dont le périmètre est incertain et qu'on a appelé, disons, en 1789, le peuple. Et puis, surtout, dans le second moment, ce que fait Münzer, et qui est encore beaucoup plus frappant, c'est qu'il va le faire au nom d'idées qui ne sont pas les siennes à lui, ou celles de Luther, c'est-à-dire celles d'une certaine élite. Mais c'est en ayant côtoyé, au fond, ce peuple d'artisans, de commerçants, devant lequel il prêche, au fond, à l'Église, que Münzer va les écouter et va entendre leurs revendications d'égalité sociale. Et c'est là qu'il va lui sembler que Luther trahit, en quelque sorte, la réforme qu'il a initiée. Et c'est donc au nom d'idées qui ne sont pas les siennes à lui, mais celles du peuple et du plus grand nombre, qu'on peut dire que Münzer se réforme une seconde fois. Or, je crois qu'il est très rare qu'un intellectuel, puisque c'est ce qu'était Münzer, un clerc, disons, pour employer le vocabulaire de l'époque, que le cœur de la doctrine d'un intellectuel ne soit pas la sienne, mais soit venu de la collectivité, des autres, et surtout de gens qui, censément, en savent moins que lui, puisque Münzer est un savant, c'est un théologien de premier plan. Et ça, c'est une attitude profondément démocratique qui consiste à croire qu'il existe une égalité des intelligences et qu'au fond, un groupe d'individus moins diplômés, a priori moins savants, eh bien, sont susceptibles de vous apprendre des choses essentielles. Merci. Dans l'ordre du jour, vous décrivez comment un groupe commandé par les chefs d'entreprise plus importants à Allemagne ont en rendez-vous avec la tête du parti nazi en Allemagne où on leur demande de financer la campagne électorale de 1933 du parti nazi et d'appuyer, et ils obtiennent les deux choses. Ne seulement pas l'argent pour financer de la part des groupes industriels, même l'appui de beaucoup d'eux pour le parti, non, pour ce que l'idéologie qu'elle avait. Alors, j'aimerais vous interroger, vous demander qu'est-ce que vous pensez que c'est facile dans une société où les mécanismes démocratiques ne sont pas très fermes, ne sont pas perfectionnés, si c'est possible s'opposer au pouvoir autocratique, si on peut dire non. Dans un moment, vous dites que les autres partis ont sûrement bénéficié aussi de financement, mais vraiment, je trouve que pour un groupe très petit d'industriels, avec beaucoup de pouvoir, mais ces pouvoirs économiques, pas tellement de pouvoir pour influencer la politique, si c'est possible s'opposer à un groupe qui n'a pas, si on n'a pas des mécanismes pour arrêter les représailles qu'ils peuvent mettre en point contre ces industries. C'est possible. En espagnol, on dit beaucoup de fois que les comportements héroïques, on ne peut pas les exiger, non? Alors, est-ce que c'est possible? L'autre question serait complémentaire, serait, dans la foule, c'est beaucoup plus facile de s'opposer à n'importe quoi. Non, je remarque seulement que, comment dire, nos contemporains, la tendance que nous avons est de nous interroger justement, l'une des questions comme ça qui revient est de nous dire, et nous, qu'aurions-nous fait, ça n'aurait pas été si facile, c'est une question très curieuse qui dit, au fond, n'aurions-nous pas été nous-mêmes, n'aurions-nous pas collaboré, vous voyez, c'est dans ce sens-là souvent que la question nous est posée, ou que nous la posons aujourd'hui. Or, ça n'est pas une évidence. Ça n'est pas une évidence, je veux dire que c'est une question qui comporte une certaine métaphysique en elle-même, un certain contenu. Toute question est toujours un peu une réponse à sa manière, puisqu'on peut poser les questions de différentes façons. On pourrait poser la question à l'inverse, au fond. J'imagine un père parlant à son fils et lui disant « Mais tu verras, si les choses comme ça se produisent, je sais que tu seras du bon côté, disons, que tu feras ce qu'il faut, etc. » Donc, au fond, je crois que aujourd'hui,
le fait que cette question revienne, au fond, qu'elle nous hante, vient bien sûr des drames qui se sont produits au XXe siècle, mais pas seulement. Elle appartient à une sorte de métaphysique, je crois, pessimiste sur l'homme, voltairienne d'une certaine manière, qui considère précisément que l'homme avant tout poursuit ses intérêts, manque de courage, que la foule en général le consent, etc. Or, il n'est pas très sûr que l'expérience aille en ce sens. Finalement, les gens s'accoutument assez mal de l'assujettissement. Bon, on a des cas différents dans l'histoire, ça dépend bien sûr de l'encadrement autoritaire, ça dépend de la puissance des idéologies évidemment en vigueur, mais je crois qu'en tout cas, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre directement. La question en elle-même suppose, propose une idéologie aussi, et donc, tout comme la question inverse d'ailleurs. Mais donc voilà, c'est ça le point d'abord qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, on pose la question en ce sens, d'une manière pessimiste, qui au fond est un pessimisme ancien. C'est un pessimisme qui remonte, qui s'inscrit, d'ailleurs qui a une tradition littéraire, hein, il est très inscrit dans la littérature, ce pessimisme. C'est celui de Flaubert, par exemple, vous voyez, qui considère que l'humanité, ma foi, bon, c'est quelque chose d'assez insatisfaisant. Vous voyez, bon. Mais son origine, disons, la plus haute, c'est, je pense, l'Ecclésiaste. Vous voyez, c'est une parole qui nous dit le savoir, bon... J'ai éprouvé le savoir et la connaissance, mais c'est inutile. Tout ça s'en va avec le vent. L'amour aussi, j'ai connu ça, c'est bon, mais c'est pareil. Le vent l'emporte. Tout est emporté, sauf qu'à la fin de l'Ecclésiaste, ce que nous demande donc le roi, puisque c'est un roi finalement qui nous parle, il ne faut tout de même pas l'oublier, c'est de nous agenouiller devant Dieu. Il ne reste que les commandements de Dieu. Donc c'est une métaphysique aussi qui, malgré tout, est une métaphysique, je pense, enfin qui a en tout cas en son fond historique le plus lointain, qui est une métaphysique de l'obéissance. Et donc moi, je n'y souscris pas. L'idée que je me fais alors du financement, puisqu'il y avait plusieurs questions, donc sur ce passage qui raconte au fond une séance secrète, où il est question d'un financement électoral, bon. Au fond, ce qui m'a frappé, tout à l'heure, je disais que beaucoup de choses, enfin, que l'essentiel, au fond, me venait en écrivant, que si j'écrivais, c'est parce que en écrivant, j'avais l'impression de comprendre davantage qu'en seulement réfléchissant et prenant des notes. Et c'est tout à fait vrai pour ce début de l'ordre du jour, où je raconte cette séance, au fond, entre Hitler, Göring et 24 des industriels les plus importants, le 20 février 1933, pour financer la dernière élection, celle de mars. Et quand j'ai écrit ce passage au tout départ, je l'ai écrit en recourant au fond à un tropisme littéraire qui est le coup de théâtre. Dans la première version, l'entrée de Göring puis d'Hitler était inscrite comme sous le registre du coup de théâtre. Et puis ça ne marchait pas. L'écriture, d'une certaine façon, le langage est une surface sensible. Ça ne marchait pas parce que c'était faux. Et j'ignorais pourquoi. J'ai donc laissé ce passage et le livre pendant au moins un an, voire peut-être 2 ans de côté, sans trouver de solution. J'en voyais pas. Et puis un jour, sans avoir de solution en tête, j'ai réécrit le passage. Et là, il m'est venu l'inverse. Il m'est venu, en l'écrivant, l'idée qu'au fond, c'était une scène tout à fait ordinaire. Pas du tout un coup de théâtre. Il n'y a rien de plus banal qu'une rencontre entre les chefs d'entreprise et les hommes d'État pour le financement des élections à venir. Et le fait que ce soit Hitler au fond et l'horreur de ce qui s'est produit ensuite m'avait en quelque sorte aveuglé. Et je recourais du coup à un tropisme littéraire classique qui est le coup de théâtre et qui était la figure, disons, de ma moralité. Vous voyez, j'étais choqué par la scène et donc ça cristallisait en coup de théâtre. Et puis l'écriture m'a fait aller ailleurs et au contraire donner à la scène un air ordinaire, une scène de négociation banale, sauf que cette négociation évidemment porte sur la liquidation de la démocratie. Puisque ce que Göring dit à ce moment-là aux 24 chefs d'entreprise, c'est financer le parti nazi, mais ce sera la dernière fois puisqu'il n'y aura plus d'élections à l'avenir, peut-être plus pendant un siècle. Donc là, j'en reviens à la dernière partie de votre question sur la puissance économique. Ce qu'on voit simplement, c'est qu'à ce moment-là, il leur propose un bon investissement. Or, c'est la règle même de l'économie qu'on enseigne dans les universités
à juste titre, c'est l'efficacité économique. Et quand on vous propose d'investir pour 100 ans, vous voyez, c'est tout à fait rentable. Voilà. Donc, à ce moment-là, les entrepreneurs vont demander à Goering et à Hitler, en gros, en échange, que va-t-il se passer? Et on leur propose à la fois la suppression des syndicats, des partis de gauche, le fait qu'ils seront fureurs dans leur entreprise. Enfin, vous voyez, pour solde de tout compte, c'est pas mal. C'est donc un investissement rentable, ni plus ni moins. Ce qu'il y a du coup d'intéressant dans cette scène, c'est que ces gens ne sont pas des nazis convaincus, pas du tout. Ça aurait été dans ce cas-là une scène finalement assez négligeable. Bon, c'est-à-dire qu'au fond, ils auraient simplement financé leurs opinions. Mais ça n'est pas le cas, ce sont des conservateurs, ce sont des gens qui financent d'ailleurs à peu près tous les partis, à l'exclusion des partis sociaux-démocrates. Et donc ce sont simplement leurs intérêts qui les guident. Et là est le point central aujourd'hui, qui est un point central pour nous tous, mais pour la littérature, je crois, foncièrement. C'est qu'au fond, Montesquieu nous a appris quelque chose. Si on prend, disons, une leçon que tout le monde partage, ou à peu près, qui est une leçon de sciences politiques élémentaires, Montesquieu nous dit dans l'Esprit des lois que un phénomène de physique sociale, presque, qui se produit toujours, est que tout pouvoir a une tendance naturelle à se concentrer. Et on peut effectivement l'observer. Il suffit de laisser un pouvoir prospérer sans limite, sans règles de droit, sans surveillance, voyez, sans adversaire, et le pouvoir s'étend tout à fait naturellement, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, à l'égard de ses salariés ou de ceux qui travaillent pour lui. Mais Montesquieu nous dit aussi autre chose. Il nous dit que non seulement tout pouvoir s'étend, mais que s'étendant, il vise toujours à abuser de ses prérogatives. C'est une loi physique, d'où sa théorie de la séparation des pouvoirs que tout le monde connaît. Mais je crois qu'on peut tout à fait généraliser à autre chose qu'à la politique, simplement, la leçon de Montesquieu, le pouvoir économique aujourd'hui est le pouvoir essentiel. C'est donc un pouvoir, et on le voit tous sous nos yeux, qui tend en permanence, depuis des siècles, à se concentrer. Il arrive aujourd'hui, avec ce qu'on appelle la mondialisation, à un degré de concentration tout à fait inédit dans l'histoire du monde. On n'a jamais vu pouvoir si puissant. Il est entre quelques mains, tout de même, et effectivement, il a une tendance très nette à abuser de ses prérogatives. Pour en donner juste un exemple qui touche à la fois mon livre et à la fois le présent, la famille Reimann, il y a eu un scandale, c'est une grande famille allemande, très, très riche. Bon, il y a eu un scandale récemment en Allemagne, c'est que le PDG qui s'occupe de la holding est passé aux aveux en quelque sorte et a dit que donc, le grand-père et le père, je crois, avaient collaboré avec les nazis et s'étaient enrichis sur les travailleurs forcés. Donc il faisait amende honorable. Bon, tout ça est très bien de passer aux aveux, bon. Mais ça, c'est pour le passé, effectivement, les protagonistes sont morts. Donc, vous voyez, le risque n'est plus très grand, au fond, de passer aux aveux, et si on veut être un peu ironique, comme Voltaire, on peut dire que ce sont des aveux relativement rentables. Mais le second point, et le point le plus important, c'est que la holding de cette famille, aujourd'hui, si je ne me trompe pas, est domiciliée au Luxembourg. Et ça, c'est, disons, sans comparaison, évidemment, leur faute contemporaine. Et ça n'est pas avoué. Donc on voit bien que la concentration et l'abus de pouvoir continuent, mais évidemment sous les formes qui sont celles du temps et des nécessités du temps. Et Dieu merci, on ne vit pas des circonstances aussi dramatiques que jadis. Et donc juste pour finir sur la littérature et sa relation avec ce point, c'est qu'on voit bien que cette histoire concerne au premier chef la littérature. Et finalement, depuis très longtemps. On pourrait dire d'une certaine manière que l'histoire du Lazarillo, par exemple, de Tormes, c'est l'histoire tout de même de quelqu'un qui traverse la vie sociale de façon précaire, problématique, qui est en but, au fond, au pouvoir en permanence, qui le subit. Mais beaucoup plus proche de nous, à un moment où la littérature est en quelque sorte libérée, beaucoup moins contrainte, puisque le Lazarillo est écrit de manière anonyme, avec beaucoup de prudence, et je crois qu'on a retrouvé récemment l'exemplaire originaire dans un mur dissimulé. Donc on voit que c'est une littérature qui n'était pas écrite dans un air de liberté qui est le même que le nôtre, disons, depuis quelque temps. Mais pour prendre une littérature qui vit beaucoup moins sous contrainte, pour prendre l'exemple de Balzac, toute l'œuvre de Balzac, ou quasiment, est structurée par l'économie. C'est-à-dire, ce que Balzac nous raconte, c'est un monde dans lequel l'économie accède à la domination du champ social. Ce que nous raconte à travers Les Misérables, au fond, Victor Hugo, c'est un monde dans lequel ceux qui sont hors de la vie économique sont des victimes qui vivent une vie tout à fait douloureuse, longue et pleine de tribulations. Ce que raconte Zola dans son livre « L'argent », c'est que le titre même nous le dit, c'est que l'argent devient le vecteur central de la vie centrale. Et je crois donc qu'on peut tout dire qu'aujourd'hui, un écrivain qui, d'une certaine manière, non pas écrirait sur le monde économique seulement, non,
Pas du tout. On peut écrire sur différents thèmes. On peut, évidemment, il y a toutes sortes de manières d'écrire et de faire de la littérature. Mais du moins, en tout cas, écrirait sans que ce qu'il raconte soit inscrit dans un monde où la vie économique structure, au fond, les choses, serait, je crois, un écrivain qui produirait une littérature folklorique. Oui. Feuilletons quelque chose que vous avez dit en vous connaissant mieux. J'ai trouvé que vous disiez que l'ancien régime trouve les écrivains qui écrivaient pour eux-mêmes et maintenant la littérature moderne écrit pour les autres, pour les lecteurs. Oui, tout à fait. Je pense que souvent, quand on demande aux écrivains, quand on me demande, enfin, pour qui écrivez-vous, le réflexe premier des écrivains, que je comprends tout à fait, est de dire « j'écris pour moi ». En fait, c'est une manière de se protéger de la critique qui serait « vous êtes corrompu, vous écrivez pour le public », etc. Dans un monde dominé par le commerce, évidemment, c'est une façon de se dédouaner. Mais c'est une façon, je crois, ingénue de se dédouaner, puisqu'en réalité, ce qui distingue l'écrivain moderne de l'écrivain d'Ancien Régime, c'est l'inverse. C'est-à-dire, celui qui écrit pour lui, c'est justement, en France, on a un mémorialiste célèbre qui est le duc de Saint-Simon. Il a écrit des tomes et des tomes racontant la vie à Versailles, la cour, etc. C'est un très grand écrivain, c'est tout à fait passionnant. Seulement, il n'a jamais eu l'idée de publier Saint-Simon. C'était inenvisageable. Il n'écrivait que pour lui. Et il lisait des petits passages à quelques-uns de ses amis qui, de temps en temps, venaient dans sa mansarde à Versailles lui rendre visite. Donc on voit bien qu'il faut une idée de soi très particulière, qui est celle de l'aristocratie ancienne, au fond, pour écrire uniquement pour soi. Alors bien sûr, sous l'Ancien Régime, on avait des écrivains qui n'écrivaient pas que pour eux. Le Lazario n'est pas écrit que pour son auteur. Mais on le voit bien que c'est un type de littérature qui est, au fond, pré-moderne. C'est justement cette littérature-là qui va accoucher de la littérature moderne. Mais qu'en revanche, après la Révolution française, eh bien, ce qui va se diffuser partout dans le monde, en Europe en tout cas, c'est au contraire des écrivains qui écrivent pour les autres. C'est-à-dire qu'au fond, la littérature est adressée. La comédie humaine, par exemple, de Balzac, je citais tout à l'heure, est un massif littéraire entièrement tourné vers le public. Et tout ça est même structuré par la façon dont Balzac gagne sa vie. C'est-à-dire que précisément, un écrivain de la période classique, par exemple espagnole, vit la plupart du temps, comme en France d'ailleurs, des pensions que le roi ou un prince va lui offrir. C'est donc, on peut dire que sa liberté va dépendre d'un ou deux riches mécènes. Tandis que Balzac, son existence économique, sa vie, dépend d'un pluriel, du grand nombre, au fond. Et la liberté, c'est ça. C'est la même leçon, d'ailleurs, que celle de Montesquieu. Dès lors que vous n'avez qu'une seule personne qui finance vos livres, dès lors que Louis XIV est celui, ou alors le prince de Condé, qui va financer les pièces de Racine, eh bien, Racine écrit, malgré tout, peu ou prou, ce qu'on lui demande. Et d'ailleurs, quand Louis XIV lui demande d'arrêter d'écrire, il arrête. Tandis que Balzac, il était beaucoup plus compliqué, on le sait, de lui demander d'arrêter d'écrire. La question d'avant, c'est que c'était une périphérie de votre livre, L'Ordre du Jour, voulait venir à la démocratie. Maintenant, on parle de... J'ai traduit comme l'usure de la démocratie. On peut... La mort de la démocratie représentative, la fatigue de la démocratie. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont des doutes sur le système démocratique, mais ça ne scandalise personne. On parle partout, mais vraiment, on attaque à la liberté et c'est vraiment mettre en question le futur livre que nous avons connu. Je voudrais trouver l'échec de la démocratie. Je ne sais pas si c'est les jeunes qui ne s'incorporent pas parce qu'ils n'ont pas des travaux. C'est peut-être maintenant les idées autoritaires sont rafraîchies par des nouveaux gens populistes qui, dans la droite et dans la gauche, rafraîchissent les idées antilibérales. Qu'est-ce que vous pensez ? Tout d'abord, juste
sur ce que j'évoquais, le fait d'écrire pour les autres. Justement, dans la guerre des pauvres, au fond, ce qui m'a attiré vers Munzer, au fond, c'est le fait qu'il est écrivain aussi. Et c'est le fait que, précisément, il était intéressant de pouvoir suivre la trajectoire de qu'est-ce que c'est qu'écrire quand la température politique est très haute, monte. Et là, en l'occurrence, le protestantisme, à ce moment-là, devient une guerre civile, en fait, en Allemagne, qui va diviser profondément. Et donc, ce qu'on voit, justement, c'est qu'à ce moment-là, la littérature, d'une certaine manière, est libre. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus... on voit, pour prendre un exemple, emprunté à la littérature espagnole, quand Gracián écrit plus tard, on voit qu'il est en quelque sorte, enfin, la densité même de son style, mais le fait qu'on ne comprend pas toujours ce que ces phrases signifient, montre très bien la tension entre les opinions de Gracián, que nous ne connaîtrons jamais entièrement, mais la contrainte subie par Gracián, et qui est le fait que justement le sens de ce qu'il est en train de dire nous échappe toujours. C'est parce qu'il écrit extrêmement sous contrainte, et d'ailleurs il vivra cette contrainte jusqu'au bout, puisqu'il sera exilé et qu'il mourra au fond d'une certaine façon de ses livres. Et bien Munzer, lui, est dans une toute autre figure, puisque au contraire il a indexé son discours à la vérité, mais que évidemment il y a le grand nombre le suit en quelque sorte, c'est-à-dire qu'en tout cas il épouse la volonté du grand nombre. Il n'est pas seul comme Gracián l'était, il n'est pas seul comme les érudits pouvaient l'être à cette époque. Il est accompagné d'un mouvement de révolte extrêmement important, et donc il peut écrire beaucoup plus librement. Sa littérature est infiniment plus transparente, plus frontale, plus moderne en ce sens, et on peut dire que de ce point de vue c'est une littérature qui s'adresse à tous au fond. Alors sur la question de la démocratie, et d'ailleurs cette littérature a fondamentalement à voir justement avec la démocratie, on peut sans doute mesurer en partie, si on est si l'univers dans lequel on vit est un univers de contraintes, au fait que la littérature est plus ou moins réaliste, je pense. Plus la littérature parle de la réalité frontalement, sans hésiter, plus ça signifie que, ou alors l'auteur est très courageux et court des risques, ou alors il vit dans un monde, en tout cas, relativement libre. Mais dès que la littérature devient trop fictionnelle, décorative, ça signifie dans ce cas que le littérateur se cache et que, comme Gracián, dans le meilleur des cas, il essaye de nous dire quelque chose à travers le drapé, dans les reflets comme ça des draps magnifiques, par exemple d'une écriture baroque. Et alors sur la politique ou la démocratie, ce que je pense tout d'abord, c'est que la démocratie n'est pas un régime établi une fois pour toutes. Je veux dire qu'il n'y a pas un régime qu'on pourrait appeler la démocratie et qui serait une sorte de prototype définitif, etc. On en a vu d'ailleurs dans l'histoire des formes assez différentes. Au contraire, je pense que la démocratie est un processus. C'est un processus, c'est-à-dire qu'au fond, ça obéit à deux registres principaux, la démocratie. Le registre de la liberté et le registre de l'égalité. C'est-à-dire qu'au fond, c'est le régime le plus égalitaire qui tend vers l'égalité et qui tend vers la liberté. Alors, pour prendre une phrase célèbre sur la démocratie, une phrase voltairienne, en quelque sorte, d'ailleurs, celle de Churchill, la plus connue, qui est que la démocratie serait le pire des systèmes à l'exclusion de tous les autres, on voit que c'est une phrase... Et les citations, c'est comme la littérature, c'est toujours produit dans un certain contexte social et politique. Cette phrase, il y a une trentaine d'années ou une quarantaine d'années, disons pendant la guerre froide par exemple, semblait une phrase, ou juste après la guerre évidemment, la guerre mondiale, compte tenu des drames qui s'étaient produits, compte tenu du fait que des régimes très autoritaires venaient d'être vaincus après avoir perpétré des crimes abominables, cette phrase apparaissait comme une manière ironique de la part de quelqu'un qui appartient à la plus haute aristocratie anglaise de soutenir la démocratie. Et donc on pouvait la prendre en bonne part. Et puis, avec le temps, on voit quand même que l'aspect ironique de cette phrase, presque cynique au fond de cette phrase, devient plus problématique. C'est-à-dire le pire des systèmes à l'exclusion de tous les autres. Est-ce que c'est si sûr que ça, au fond? Et je crois qu'aujourd'hui, la plupart des gens n'en sont pas si sûrs. Non pas que la démocratie pourrait être... que les gens préféraient un système autoritaire, pas du tout. Mais que ce serait le pire des systèmes et que surtout, elle serait comme figée, acquise une fois pour toutes. Au contraire, la démocratie, je pense, est un processus, et c'est un processus collectif. C'est-à-dire, c'est collectivement que doivent être décrétées les formes nouvelles, plus démocratiques, plus égalitaires, plus libérales, qui doivent être adoptées.
Et le point aujourd'hui de crise me semble surtout venir du fait qu'en partie, la démocratie est dans une phase, un petit peu comme sans doute à l'époque le catholicisme, de confiscation relative. C'est-à-dire que d'abord, le monde économique devient, au fond, une puissance concurrente du monde politique, extrêmement puissante, et que si le financement des campagnes, à l'époque donc, du Troisième Reich, était déjà une donnée capitale, cardinale de la vie politique, aujourd'hui, aux États-Unis, par exemple, vous voyez, c'est devenu absolument essentiel. On voit même d'ailleurs que la vie économique s'intègre à la vie politique elle-même, que des personnalités politiques aujourd'hui de premier plan dans le monde anglo-saxon, par exemple, sont des personnalités du monde économique. C'est comme si le monde économique était aujourd'hui aux portes, véritablement, du monde politique. Et donc, il y a une sorte, je pense, de confiscation, en partie, de la démocratie, ce qui fait que la délégation se met à paraître douteuse à beaucoup de gens. Pour prendre un dernier exemple, je veux bien que la représentation ne soit pas, comment dire, un système de pur décalque des classes sociales, c'est-à-dire qu'il y ait des quotas, voyez, d'ouvriers ou de classes moyennes. Bon, ce serait sans doute ridicule et curieux. Mais tout de même, ce qui est frappant, c'est qu'aujourd'hui en France, par exemple, je crois qu'il n'y a plus un seul ouvrier au Parlement. Voyez, or, il y a toujours 16% d'ouvriers en France. Il y a beaucoup d'avocats, mais il n'y a pas une seule secrétaire. Or, je crois qu'il y a seulement 50 ou 60 000 avocats et 800 000 secrétaires. Donc, je veux bien que les secrétaires connaissent moins le droit que les avocats, mais enfin, tout de même, elles votent. Vous voyez, donc, si on veut qu'il y ait une adéquation entre le vote, si on veut que le fait de voter, que chaque vote vaille la même chose, et que les gens aient quelquefois dans la délégation de pouvoir considérable qu'ils admettent, eh bien, il faudrait tout de même que la représentation soit un peu plus fidèle. Or, elle ne l'est pas en France, mais elle ne l'est nulle part. Et ça pose un problème, en fait, crucial sur les démocraties modernes. C'est-à-dire, si le phénomène n'était que français, on pourrait dire qu'il suffirait de réformer la démocratie française, qui, par un abus progressif, se serait dévoyée. Mais c'est la même chose en Europe, c'est la même chose, je pense, ou à peu près en Espagne, en Italie, en Allemagne, un peu partout. Ce qui signifie, au fond, autre chose, c'est que si on a une attitude simplement scientifique, un peu comme Montesquieu avec ses lois de physique sociale, eh bien, ce qui se produit partout n'est pas une exception, c'est une loi. Ça signifie donc, et ce qui est assez périlleux et problématique, qu'aujourd'hui, la délégation de pouvoir dans les pays de démocratie représentative est pour une part confisquée, ce qui est une inquiétude, à mon avis, pour l'avenir. Merci. Nous sommes très près de la fin. Je trouve que nous avons 2 ou 3 minutes. J'avais beaucoup de questions pour vous poser sur les migrations, sur les gilets jaunes. Qu'est-ce que ça représente en France maintenant pour vous ? Maintenant qu'ils ont évolué, mais ils ne choisissent pas en leader, ni s'intègrent dans un parti politique et tout ça. Mais je voudrais dire qu'il y a dans la démocratie des dangers nouveaux. Je pense que l'Internet et tous les fake news et tout l'appareil qui m'est plus facile est en train de changer la proximité des gens sur différents sujets, sur le mensonge. Toujours été très proche le mensonge des politiciens, mais maintenant, vraiment, ils adorent le mensonge. Ils sentent vraiment, surtout dans quel pays, non ? Avant, on parlait du Brexit sur... En mensonge, tout le monde connaissait le mensonge, les élites et tout ça, mais ils ont cédé au nationalisme ou aux émotions. Pologne et Hongrie, Espagne même, il y a tellement de problèmes autour de la classe politique que peut-être parler des gilets jaunes, que je sais que vous avez beaucoup d'opinions parce que je vous ai entendu à la télévision française. Et ça serait très intéressant comme dernier pour finir parce que je pense que nous sommes, je ne sais pas, nous avions 50 minutes et maintenant on est déjà dans l'heure. Alors, juste sur le mensonge, j'évoquais tout à l'heure, j'en reviens à la littérature, à ce qui me concerne. Vous voyez que la vente d'indulgence, je ne crois pas que l'archevêque de Brandebourg, qui a été donc le principal artisan de la querelle face à Luther, c'est-à-dire celui qui s'occupait de la vente d'indulgence dans la paroisse où Luther opérait, ait cru un seul instant
que la vente d'indulgence permettait véritablement d'accéder au paradis. Vous voyez, l'archevêque de Brandebourg est quelqu'un qui avait mis, je crois, sur sa tête trois évêchés, deux archevêchés. Enfin, il avait beaucoup emprunté aux Fugères. C'était un homme tout à fait pragmatique. Et donc, je veux dire par là que le mensonge, la dissimulation appartiennent, au fond, à l'histoire politique au très long cours. Alors, l'autre problème avec lequel vous évoquez Internet, on assiste sans assister, impuissant à savoir ce qui s'y passe réellement, au procès de Julian Assange, ce qui n'est pas sans rapport avec Internet. Oui. Et au fond, avec ce qu'Internet peut produire de mieux, c'est-à-dire le fait de pouvoir être informé, c'est-à-dire, ça n'est pas sans rapport avec l'histoire de Münzer, d'ailleurs, avec l'histoire de la réforme, c'est-à-dire avec le fait que ce qui était dedans soit dehors, ce qui était en latin uniquement pour un petit cercle d'érudits soit pour tout le monde. Au fond, la démocratie que vous évoquiez, c'est ça, c'est-à-dire les débats parlementaires sont au journal officiel, on peut aller à l'Assemblée, on peut y assister, les tribunaux, on peut assister aux audiences, mais là, l'audience d'Assange, je crois qu'il y a seulement 5 personnes du public qui peuvent entrer, c'est pas beaucoup, ça a l'air d'être très filtré, et ce qu'on en sait, c'est très peu de choses. Or, ce qu'Assange a documenté, quel que soit ce qu'on peut lui reprocher, c'est tout de même, ce sont des crimes de guerre. Donc, au fond, on voit que là, le rapport à la liberté, au mensonge, est tout à fait problématique. L'autre point sur les gilets jaunes, effectivement, enfin, vous en disiez tout à fait juste, je pense que les gilets jaunes étaient l'expression assez... singulière d'un mouvement au périmètre social incertain, c'est-à-dire hétérogène, au fond. Ça, c'était déjà quelque chose d'intéressant. C'est d'ailleurs, alors c'est un hasard, mais c'est ce qui m'a, des années auparavant, quand j'ai écrit le livre, attiré vers ce mouvement insurrectionnel de 1524 et 25 dans la guerre des pauvres que je raconte, qui est un mouvement que les Allemands appellent le soulèvement de l'homme ordinaire. Eh bien, d'une certaine manière, les gilets jaunes, c'est l'homme ordinaire. Je me suis dit, quand j'ai vu, c'est la même chose. Ce mot d'homme ordinaire, c'est notre registre, au fond. Et ce qu'il y avait du coup, vous le disiez, dans ce mouvement, quelque chose de très horizontal. Donc, la défiance à l'égard de la délégation, etc. Mais cette défiance de la délégation, au fond, en son fond, elle est, je crois, le noyau le plus démocratique qui existe. C'est-à-dire, au fond, on pourrait le résumer en une formule qui est liée à l'homme ordinaire, c'est dire au fond que nous sommes l'homme ordinaire, aujourd'hui le sujet moderne c'est l'homme ordinaire et c'est donc celui qui n'est jamais ni plus ni moins qu'un autre. Voilà. Pues muchas gracias a todos ustedes por haber venido. Les recomiendo, si algunos no lo han hecho, que compren. Je vous recommande d'acheter les 2, 4, 5 livres d'Éric Vuillard. Je crois que ce sont des livres qui en valent la peine et nous attendons, car il nous l'a pratiquement annoncé, un nouvel ouvrage et qui aura certainement le même succès. Merci beaucoup, Éric Vuillard. Merci beaucoup pour cet échange. Merci à vous.